punaise. Punaise de jeu. Eh bien, j'appuie sur le bouton, merci. J'aimerais bien, hein, quand j'arriverai à la fin de ce jeu, aussi bien soit-il, aussi crachant soit-il, qu'il ne crache pas à la fin du jeu. Sinon, je l'aurais mal. Non mais ce jeu. Et où est-ce qu'il va me mettre? Benbrock. Ok. Ça va, il a sauvegardé mon niveau. I can't believe I'm doing this. Laisse-moi tranquille. Oui, bah laisse-moi trouver. Laisse-moi trouver le chemin et j'arrive. Je suis perdu. Là, là, par ici. Oui. Adia, tu fais moins mal. Yeah.
mission. What have you done? Quoi? Pardon? Comment ça? Je pensais qu'elle allait cracher, moi, pas faire un cri directement. Bon, ben j'ai à nouveau perdu tout le sang que j'avais. Génial. Ça, quand tu meurs de perdre tout ton sang, c'est à peine énervant. Quoi? T'es pas sérieux le jeu, tu m'as remis. Tu me remets pas directement dès l'entrée. Et il y a des rats. I can't believe I'm doing this. Le rat. I can't believe I'm doing this. D'accord, le son a bugué. Eh merde, mais non, oh, mais quand il y a ça, ça c'est chiant, quand il y a ça. Quand elle en met partout, ça devient relou.
Ouais, j'avais dit elle va rien comprendre, mais elle va rien comprendre. C'est une promesse. Bon, les rats voudront bien apparaître. Merci. I have this thirst for blood. This is despicable. Allez. I can't believe I'm doing this. Le rat. Prends le rat. I have this thirst for blood. Non. Mais bordel.
Et au bout du sang. Mais non, mais je m'en fiche, je vais monter là-haut. Parce que je vois s'il aura. Ah bien, normalement il y a deux races supplémentaires qui sont censées arriver, ils ont décidé que non. Mais elle en met partout. Mais non. Mais partout des gerbes de sang. Même avec des niveaux, elle est quand même dure. Reviens là, Laura. Je veux pas monter, je veux tuer le rat qui est là. Ok, elle a décidé de pas revenir. Thank you.
Allez. Final thoughts are just to die for. What have you done? Elle fait un combo. Come to me, Jonathan. You left me to rot in this grave. Allez. Come to me, Jonathan. Because you spared Chord Doctor, don't expect the same mercy from me. What have you done? Allez, meurs, meurs, bordel, meurs. Oui, je l'ai eu. To bring this conversation to an end forever. You know I will not play this game. Come now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure.
swear. At last, I can forgive you. D'accord, c'est nous qui devons avancer pour la mettre dans la tombe. Ouais, c'est vraiment nous qui devons avancer. Un temps de chargement. Mais non, mais respecte-toi le jeu. Trophée obtenu, je vous salue Mary. Quelques nuits plus tard. Entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Ok, on a fait la moitié du jeu, j'imagine. Chapitre 4, poussée de fièvre. Cela fait maintenant plusieurs nuits que j'ai enterré pour de bon ma sœur Mary, devenue folle. Et les mêmes questions me hantent toujours. Cette horreur ne finira-t-elle jamais? Suis-je en train de m'y habituer? C'était Mary qui, devenue immortelle à cause de moi, me poursuivait ou me précédait? Qui continue à comploter dans l'ombre et mes alliés sont peu nombreux. Edgar Swansea dirige toujours le Pembroke Hospital. Malgré la crise sanitaire grandissante, Lady Ashbury nous apporte toujours son soutien en finançant l'établissement. Ils m'ont tous les deux laissé seul la nuit dernière, car j'avais besoin de me concentrer sur la situation actuelle. Le danger est toujours présent, je peux presque le sentir. Ce soir, j'ai reçu une lettre de Lady Ashbury, dans laquelle elle m'invitait à la rejoindre chez elle aussi vite que possible. Mais peut-être, il est peut-être temps pour moi de sortir à nouveau et d'aller chercher les réponses à mes nombreuses questions. Ah, on l'a sauvé. D'accord. C'est très bien qu'on aille dans le West End. On n'a toujours pas exploré cette partie-là. Sérum de sang. D'accord. Ce serait bien que je puisse toujours pas.
Mutation de Lady Ashbury, j'ai toujours du mal avec son nom. Cher docteur Reed, j'espère que cette lettre vous trouvera rapidement, car j'ai besoin de m'entretenir avec vous le plus tôt possible. La situation évolue très vite dans le West End. Ah, et je suis convaincu que nous courons tous maintenant un grave danger. La garde de Priwen a ouvert la grande chasse à Londres, et depuis quelques nuits, ils recherchent activement et tuent tous les écones qu'ils peuvent. Lord Redgrave, le président du Club Ascalon, m'a récemment contacté. Il souhaite vous rencontrer le plus vite possible. S'il vous plaît, venez me rendre visite à mon manoir. La nuit qui vous conviendra le mieux. Nous devons discuter de tout cela. Vous trouverez attaché à cette lettre un laissez-passer officiel qui vous permettra de franchir n'importe quelle barricade ou poste de contrôle de la quarantaine dans toute la ville. Votre ami, Lady Ashbury. On peut enfin aller partout! Génial. Ça, c'est génial. Ah, les portes fermées. Hein? Les portes fermées ne font plus peur à personne. Oh. Il se passe des choses ailleurs avant. Et si t'arrives. Ouh, en bas y a quelqu'un. Mince, comment je fais pour les écouter? It's locked. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Come on, Ozzy, don't be like that. What, like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves. Did you ever even try to find me? Rescue me? No, it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. We survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. Oh oui, Sam, c'est bien, et alors? Fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. Là, ils sont amoureux, oui, mais rien de spécial, franchement. Que j'avais un laissé passer. Visiblement non. It's locked. Ouais, bon alors, toutes les portes sont toujours verrouillées. We fought for England, but England won't fight. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. Are you concerned about the living conditions in the city? Of course I am. I'll be stuck here for as long as Oswald refuses to go to hospital. Il va pas y aller. Unfortunately, it seems the violence is rising. What kind of violence? I believe people have armed themselves and started to attack those that show signs of contagion. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? If people find out. Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, never thought I'd love a man. N'assume pas son homosexualité. Ça, j'y peux rien. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love. I appreciate your kind words, sir.
but it ain't that easy. It's all so new to me. Goodbye. Good evening. Eat. Are you concerned about the conditions here in London? Not really. Sick people, men in arms, fighting every night. I already faced all this during the war. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been straightforward? All I know is, before you saved me by the Sioux, my only regret is I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Why should you be ashamed? I'm not, I said. Newton sees it differently. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. Feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Goodbye. Où est-ce qu'il est passé? L'autre? Où est-ce qu'il est passé? Oswald? Newton? Ah, il est reparti là-bas. Hello again. Good evening, Doctor. Goodbye. Alors on va aller voir un petit peu le John Hampton parce que le du quartier est grave, il se passe des choses qui sont pas bien. Mais non, bordel, le jeu a crash.